Eh bien, salut à tous, de retour sur la chaîne avec Xari pour un duel Yu-Gi-Oh! Ça enflammé. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. MDR. Ouais, on recorde beaucoup de duels ce soir. Aujourd'hui, duel, je vais jouer un deck que j'appelle le Yu-Gi MVP. Si vous suivez un peu Club Yu-Gi-Oh, vous voyez de quel deck il s'agit. Xari va jouer un deck Ojama. Le deck Ojama va tenter de bloquer mon terrain. Et moi, je vais tenter d'invoquer des grosses bébêtes. Vous allez voir. Quand je dis deck Yu-Gi MVP, il n'y a pas que des cartes de Yu-Gi, mais il y a quand même des belles cartes qui parlent et qui ont été jouées par Yu-Gi Muto ou Atem. Hop là, on va jouer au pile ou face. Si c'est la tête de Yu-Gi, je choisis. Sinon, c'est toi. Et tu peux choisir. Je vais commencer, évidemment. Alors bien sûr, c'est des duels rétro. On joue sans les cartes liens, sans les cartes pendules, sans les cartes synchro. Et le premier joueur pioche. On joue sans bad list. Voilà, vous avez toutes les infos. Inutile de le préciser en commentaire. 2, 3, 4 et 5. Ok, je suis boss, t'as perdu. Non, je blague. Je blague, j'aimerais bien. Je pose ceci en position tout simplement. Ok, effect. Effect, yes. Et je pose ceci et je dis à toi. Très bien. Je pioche. Je joue violent rage. Je chaîne. Duo Ojama. J'invoque spécialement Donjeton Ojama sur ton terrain. Et ça, c'est un typhon. Et donc, du coup, il dégage. Ok. Donc, deux jetons Ojama qui ont 0 1000. 1000 0. Je sais plus. C'est marqué, je crois, dessus. 0 1000. 0 1000. 0 1000. Ils sont en position de défense. Voilà, ils sont. En position de défense. Et, et en gros, quand ils sont détruits, tu perds 300. Et ne peuvent pas évidemment être utilisés comme sacrifice. Très et bien. Je peux aussi bannir cette carte depuis mon cimetière pour invoquer deux Ojama de noms différents depuis mon deck. Ouh, c'est fort ça. It is fort. It's pas mal. Je défausse Dragon du Tonnerre. Yes. De ma main. Et je vais en chercher deux de mon deck et je les ajoute dans ma main. Très bien joué, ça, Zouzou. Alors, hop là. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais set ça et je vais dire fin de tour. À moi de jouer. À toi de jouer, Xari, effectivement. Je joue ça et je dis à toi. Ok, je pioche. Je pioche. Je cède ça, fin de tour. À moi. Aïe, 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 on commence déjà à s'enliser dans un duel qui va avantager Xari. À toi. Là, je manque de percussion. J'avoue que je suis late game, moi. Je joue enterrement prématuré. Je perds 800 points de vie pour jouer. Enfin, ok, spécialement le dragon du tonnerre. Il n'a pas d'effet, à part celui que j'ai activé tout à l'heure. Okay. Et j'attaque 1600. Donc, tu perds 800. Et moi, je perds 1006. Tu sens le mec qui est pas bien, quand même. Quand t'enterrement prématuré pour aller chercher un dragon du tonnerre, bon, c'est que t'es pas en grande forme, quoi. Fin de tour. Ouais, on dit souvent ça, mais voilà. À toi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. C'est à toi, en effet. Ouais, ouais, c'est à moi. J'attaque. 1006. Et je perds 1006. Fin de tour. À moi. À toi. C'est quoi ? Pioche. Elle est terrible, ma main. Elle est vraiment terrible, bro. T'inquiète, ma main n'est pas ouf non plus. Hein. J'ai rien fait depuis 4 tours. À part piocher. Aïe, aïe, aïe. Je vais set ça et je vais attaquer. Je vais jouer Roue du Cauchemar. Donc tu peux pas attaquer ni changer ta position de combat. Et 500 points de dommage à chaque stand-by. Ok, je vais la typhon, mais je pense que ça annule quand même mon. Je sais pas. Je sais pas si tu refais l'attaque. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas d'annulation. Enfin, le typhon n'annule pas l'effet. Ça détruit la carte. Okay. Donc je pense. Vous me direz dans les commentaires, au pire c'est pas grave, c'est un duel fun. Mais à je suis curieux de savoir. Ouais. Je pioche. C'est vraiment terrible, hein, gros maman.
À toi. Je pioche. Il était temps quand même. Sangane. Dragon de tonnerre, j'attaque. 1006. Un café sanguin. Quand elle est détruite, je peux aller chercher un monstre à 1005 d'attaque ou moins et le mettre à ma main. Ok. Je vais force de miroir. Très bien. Du coup, tu fais l'effet. Effect. 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 Je suis Chad Princeton. Je ne peux pas perdre. Miojama me parle. Ouh, bonjour. Ouh, ouh, ouh. Attends, j'ai quoi? Je vais aller chercher. Pardon. Je vais aller chercher. Oiseau supersonique. Il fait quoi le monsieur? Il a 1400. Lorsque je l'invoque normalement, je peux aller chercher une magie rituelle de mon deck, la révéler et l'ajouter à ma main. C'est... Quand il attaque? Quand elle est invoquée, pardon. Ah, quand elle est invoquée. Très bien. C'est vrai que j'avais oublié que t'avais ça. À moi? C'est... Ah, c'est... Là, t'étais en battle phase, t'as détruit tes trucs, et c'est toujours à toi. J'étais en battle phase? Oui. Bah oui, il y a force de miroir. Et t'as invoqué 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, donc il faut que je défausse là. Tu défausses ou tu poses une carte, en effet. Bah, je te cache pas, j'ai que des monstres. Et un sacrifice dans la main, sauf une. Donc. Je t'en prie, pose. Oh! Oh! Oh. Ouais, il y a une combo en main. Ok, main phase 2, je bannis Sangane, je bannis Dragon du Tonnerre pour invoquer un petit BLS en position d'attaque. Ah oui, t'as ça toi. Ouais, j'ai ça. Il fait quoi lui? Je vous laisse faire l'effet. Bah, c'est la même chose que. Soit je bannis un de tes monstres et j'attaque pas. Soit, dès que je tue un monstre, je peux attaquer. Ok. Plutôt fort. C'est pas mal. Pas mal, et je vais donc terminer mon tour. Un mois. À toi. Oh là là, Xari, t'as rien. C'est terrible. Bah, j'ai au jamais, mec. Hein. C'est terrible. Je vais jouer ça. Ça va me permettre d'aller chercher un Buster Blader. C'est quoi Buster Blade? Buster Blade. Ah, c'est le truc rituel que t'invoques avec la magie rituelle? Non, Buster Blade, c'est ça. Je mélange pas mon deck parce que je vais y retourner. Je vais jouer Oiseau Supersonique en position d'attaque. Je vais donc aller chercher... La magie rituelle. La magie rituelle. Rituelle du Huss Renoir. Ok. Je te la montre et je la mets à ma main. Putain, j'adore ce deck, il y a tellement de cartes emblématiques à vous jouer. Vous êtes gardé utilisé pour un sur le Huss Renoir, vous avez... Ok, ok. Très bien. Classique. T'as déjà utilisé une force miroir, toi. Ouais, t'as déjà utilisé pas mal de trucs. Je vais donc. Je vais donc jouer ça. Ok. Je vais bannir. Je vais défausser ça de ma main pour jouer Soldat du Huss Renoir. Alors, il a un effet spécial? Non, il a pas d'effet. Il a 3000. Ok. Oiseau supersonique qui va attaquer à 1004. Ok. Soldat du Huss Renoir, il va attaquer à 3000. Ok, je vais faire roue du cauchemar sur lui. Sur lui? Bah, ça change rien, non? Comme tu veux. Oui, vas-y. Et je fais. J'attaque avec Soldat du Huss Renoir. Ok, je prends 3000. Ok, il te reste 4. Yes. Fin de tour. Compliqué pour toi, Xarine. À moi. Tu perds 500. Il est vrai. Putain, c'est beau là d'avoir ça sur le terrain! Un BLS et un BLS. Un BLS sans effet, un BLS avec effet. En fait, c'est la même carte, hein, pour ceux qui ne. Enfin, c'est la même carte. Ici, on a Soldat du Huss Renoir, émissaire du commencement. Et ici, on a juste Soldat du Huss Renoir, celle de l'animé, celle du deck de Yugi en fait. C'est trop beau de pouvoir les jouer. Ok, je vais bannir du Ojama pour invoquer spécialement deux Ojama depuis mon deck. Yes. Je vais invoquer lui et lui. Ah non, d'accord. C'est deux différents, je crois. Ouais. My bad. Je
Ok, lubi et... Eh, j'avoue, tu pouvais faire ça depuis le début. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. À part à cycler à mon deck, à la limite, mais... Attends, je check déjà... Je check ma main deux secondes. Ah, elles sont tellement belles, ces cartes. Ça, c'est les cartes emblématiques de Yugi, ça. Hop. Ok. Et je vais poser... ceci. Et je vais dire à toi... Je pioche. Effect. Il n'y en a pas. J'attaque ici. Je bannis ça grâce à l'effet de soldat. Yes. Ça annule pas l'effet, on est d'accord. Hein. Et j'attaque. Alors quand tu es détruit au combat, cette carte, je peux ajouter deux cartes au Jama depuis mon deck à ma main. Ok, mais tu peux le faire qu'une fois parce que je l'ai banni. Quoi. Ah ouais, ouais. Haxari qui survit à 400 points de vie. Son jeu commence à s'installer, mais est-ce que c'est pas trop tard? C'est ce qu'on va voir. J'ai chopé ça. Alors Xarek qui cherche une solution dans son jeu. J'adore ce deck. C'est con, mais jouer ça là, c'est pas très puissant en soi. Un Buster Blader. C'est pas très très puissant, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et vous doutez, si je joue Buster Blader, je joue forcément Paladin des Ténèbres dans le deck. Donc c'est la fusion entre Buster Blader et Magicien Sombre. Et bon, ça, ce sera peut-être pour plus tard. Donc, est-ce que ça vient de détruire ton combat? Oui, un cimetière, ok. Je réfléchis, parce que là, c'est un vas-y, peu tendax. Vas-y, Zary qui réfléchit. Bon, bah, voyons de plus près, alors, l'effet du paladin de ténèbres. Que j'ai pas invoqué encore. Ce monstre ne peut être invoqué spécialement accepté par l'invocation fusion. Vous pouvez défausser une carte pour annuler l'activation d'une carte magie et la détruire. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans le cimetière de chaque joueur. À savoir que nous, on a... non, c'est pas des cartes dragons. Oh, c'est un dragon du tonnerre, mais c'est une carte tonnerre, c'est pas une carte dragon. Bah, donc on n'a pas dragon, donc on est bien des bolos. Voilà. Je sais absolument pas quoi récupérer, mon ami. Je vais pas te mentir. Bon, je vais récupérer Village Ojama. Ouais. Et. Oja Magique. Ok. C'est bon, hein, c'est ou c'est deux monstres. Non, c'est deux cartes, Ojama, c'est bon. Tac, tac, donc ça c'est le cimetière, ça c'est banni. Et c'était toujours ta battle phase du coup, mais il t'avait attaqué avec les trois mobs. Tiens. J'ai attaqué avec les trois mobs. Yes. Que fait les villages Ojama? Je peux sacrifier, bah il a... Il peut être détruit en une fois ou pas? Oui, oui. J'ai rien invoqué ce tour-ci, on est d'accord. Je vais sacrifier ça et ça. Donc je détruis ta carte. Pour invoquer Magicien Sombre du Chaos. Ok. À la end phase de ce tour. Donc le tour où cette carte... À la end phase du tour où elle a été invoquée, je peux aller chercher une carte magie de mon cimetière et la mettre à ma main. Et quand elle va au cimetière, et ben je la mets, je la bannis. Je pense que c'est à peu près tout. Ok. Fin de tour. Donc là, c'est la end phase et tu vas récupérer. Je vais bien sûr aller récupérer un petit violent rage qui est très fort contre toi. Ok, à moi. Yes. Ok. Sachant que j'ai ça. Il est assez fort, hein, ce deck. Alors. Et je crois que j'ai pas modifié grand-chose, mais il me semble que c'est un deck compétitif de l'époque. Si quelqu'un a l'info dans les commentaires, mais il me semble bien. Ah zut, tu peux pas faire ça. Le deck qui vise à invoquer cette carte. Bon, en même temps, comme ça, je vous présente un petit peu le deck.
maître des dragons, donc qui est la fusion entre soldat du Sre Noir et dragon ultime aux yeux bleus. Le dragon ultime aux yeux bleus, on l'a pas dans le deck, mais on joue un maître. Un roi des marées, pardon, qui permet eh bien, de simuler le fait d'avoir un ultime dragon blanc aux yeux bleus. Ce qui permet d'invoquer une petite bête à 5000. Ok, bon, je j'ai modifié un petit peu le deck. Je sacrifie Ojama, du coup, grâce à l'effet de village Ojama, et je peux invoquer spécialement un monstre Ojama depuis mon cimetière. Ok. J'invoque lui. Ok. Et là, du coup, vu que j'ai un Ojama, tous les monstres, enfin, l'attaque et machin d'origine. C'est inversé. Sont inversés, ouais. Ok, donc j'ai 2005 et 2006. Si je pose ça. 0-0. Ah oui, et en fait, quand Ojama magique aussi est envoyé depuis la main au terrain au cimetière, j'ajoute un vert, un jaune, un noir de mon deck à ma main. Un jaune, un noir. T'es bientôt meule ou et un vert. Non, ça va, t'es pas bientôt meule. Aïe 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 aïe, je suis dans le. Bah, dans la merde. Hein. Bah, t'es pas bien. Hein. Je suis dans la merde, dans la demeure. Hop. Fin du tour, je jette les trois cartes ici. Je pioche. Je pioche. Je pense que c'est fini pour toi, Xari. Je joue Violent Rage. Ok. Sachant que j'avais un cylindre. Ah, j'aurais dû jouer ça. J'aurais dû jouer le contrôle cérébral. Tant pis, je joue Fracas. Ok. Du coup, les stats sont normales. Mmh. J'attaque ici à 1009. Ok. J'attaque à 2008. J'attaque à 3000. GG. Bien joué, bien à joué toi. Mec. Yes. Je n'ai rien pu faire avec mon deck Ojama. Dur de temporiser pour toi là quand même. Hein. Non, bah non, mais normal. Après, mon deck est pas très fort et ton deck est plutôt bien sorti. Après, il y a eu 5 tours de flottement où j'ai pioché carte à sacrifice sur carte à sacrifice. Et j'attendais. Après, t'as quand même réussi à faire les combos et tout. Hein, c'était ouais, cool. Bien sûr. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié ce duel. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, à aller visiter la chaîne de Xari, parce qu'on voilà, on fait des duels en ping-pong, des fois ping-pong. Sur ma chaîne, des fois sur la sienne. Et n'oubliez pas le rendez-vous mardi 20h, 21h30 pour Club Yu-Gi-Oh! Passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.